Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Aska. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, on va essayer de réparer un petit peu ça. J'ai pas trop envie de laisser ça comme ça, je préfère dédier des entrepôts. Comment dire? Faire des entrepôts dédiés, voilà. J'ai inversé les mots. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Donc là on a de la... Pardon. Là on a de la nourriture. Donc, je vais récupérer toute la nourriture. C'est à moi, la nourriture. Pas à vous. Voilà. T. Hop. Je vais détruire la réserve alimentaire, détruire ça, et détruire ça. Très bien. Ensuite, regardez un autre truc. Non, 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 non. Ok. Alors, on va dans les constructions. Ici, je vais mettre tout ce qui est, par exemple, réserve de bâtons. Ce qui est quand même beaucoup demandé. B. On va en remettre un. C'est bizarre que ça se mette en réserve de bâtons et quand on y retourne, ça se met en version anglaise. Bizarre. Hop, on va y retourner. Toc. Et voilà. Donc ici, il n'y aura que du bâton. Donc là, ça sera top. D'accord? Ils vont transférer tout ça ici. Là, ce que je vais faire, ce sera même beaucoup plus simple à mon avis, ça sera sectorisé comme ça. Enfin, on va essayer un peu de sectoriser, mais aussi, on n'est pas non plus. Je pense qu'il y a pas de tout bien classer par catégorie, mais bon. Un entrepôt, tac, tiens. Voilà. Je vais mettre ici. Bon, comme ça c'est pas mal. Je pense peut-être laisser un espace. Hop. 6. 6, 6, 6. Je sais plus où aller là. Un petit moment, j'ai pas joué, j'ai été malade. Du coup, j'avoue que c'est un peu compliqué. Voilà. Ici, ça sera consacré à la nourriture. Voilà, va falloir venir construire les petits gars. Normalement, on a un nouveau villageois qui va arriver. Alors, on va peut-être aussi essayer de déterminer. Et alors, je vous avouerai que je sais plus du tout pourquoi je l'avais pris ce villageois. Je sais plus, c'est passé beaucoup de choses entre temps. Est-ce que j'avais mis quelqu'un ici? Je crois pas. Hein. Non, il n'y a personne ici. Mais je me dis que. Déjà, on va lui faire une maison. On lui ferait bien une petite maison là. Pourquoi pas? Hop.
Ouais, je vous avoue, je suis un petit peu en mode découverte, hein, donc. Hop. Voilà. Parfait. Donc, il faut deux gros rondins, enfin des grands bâtons, je veux dire. Les cieux se dégagent. Ah non, c'est moi qui ai la nourriture. Je l'ai. Ah, je sais plus si je l'ai. Mais ils vont me sauter dessus, ils n'ont plus rien à manger. Ils vont me sauter dessus s'ils n'ont plus rien à manger. Eh oui. Allez, un autre rondin. Ah, Emmeline. On va regarder après. En attendant, tu vas nous aider à construire le village. Je me demande quand même si je vais pas la mettre dans l'atelier. Qu'elle nous construise des outils. C'est vrai que c'est un peu redondant. Quand on pense. Non, pas ça. Je me demande si je voulais pas la prendre pour faire la ferme. Ah, attendez. C'est quoi? C'est là. J'ai deux villageois mécontents, mais c'est parce qu'il n'y a pas de défense. Mais les gars, faut me laisser le temps de le faire quand même. Hein. Emmeline, c'est elle. Toc, toc. Récolte de bois. Elle est pas mal en cueillette. En agriculture. Hein. Pourtant, bénédiction des récoltes. Jacques. C'est pas possible, à chaque fois ma souris bouge. J'excelle dans la récolte des cultures et la collecte des ressources en automne. Mon efficacité. Bon. Et mon rendement durant cette saison n'ont pas d'égal. Est-ce que je la mettrai pas en agriculture? Mais après, je sais tirer à l'arc comme personne. Mais je récupère de l'endurance plus lentement. Ah, je sais pas quoi faire avec elle. Je pense que je voulais la prendre pour l'agriculture, mais je sais plus. Alors il me faut un long bâton, 8 petits bâtons. Je ne sais plus du tout. Ah ouais, t'as soif, mince. 2 secondes. 2 secondes de mémère. Je suis en train de réfléchir, mais ça se trouve, ils ont construit l'entrepôt. Et tous les petits bâtons sont là-bas. Est-ce qu'ils ont eu le temps de transférer? J'ai pas fait attention. Il me semble que j'en ai vu un qui venait chercher de ressources. Ah, c'est bien ça. Écorce. Encore mieux. Parfait. Voilà. Alors. Thé. Ouais, c'est bon. Attribut. Ok. Je vais peut-être la mettre dans l'atelier, en fait. Je réfléchis. Elle pourrait me construire des armes, des outils. Ouais, ça serait quand même pas mal. Hein. C'est peut-être plus important que de se faire une ferme.
pour le moment. Attendez, gestion du bâtiment T. D'avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire de la fabrication. Et constructeur, il y a Odd, elle, je pense qu'on va la mettre ici. Hein. C'est dommage parce que, ouais, maîtrise globale des armes à distance. Elle aurait été bien en, soit en chasseuse ou en défenseuse, en défense de camp. Et la préparation du bois aussi. En fait, ils ont tous des trucs. Bah, de toute façon, à chaque fois, la ligne de sang se lève. Ah mince. Alors, on va la mettre là. Ajouter une tâche. Sélectionner un article d'une création. Identité souhaitée. D'accord. Ah, ok. Alors, je voudrais qu'elle me fasse des haches, des grandes haches de pierre, par exemple. Allez, 5 pour commencer. Des pioches en pierre, des houes en bois, que je puisse donner aux autres villageois, 5. Ça, pour l'instant, apparemment, c'est grisé, on peut pas. Pinceau de chaume. On verra plus tard. Grande pioche en pierre. Si tu peux m'en faire 5. Des marteaux, ça serait pas mal, j'en consomme pas mal aussi. 5. Hache en pierre, non. Après, je pense qu'elle va fabriquer elle-même ce qu'elle a besoin. Ah, mais je crois qu'attendez, j'ai pas créé. Ah ouais. Ajouter une tâche. Oui, bah c'est bon, j'ai compris. Hop. Ouais, il faut le faire pour chaque, en fait, créer. J'avais demandé ça. Créer. Ajouter une tâche. Des houes. Est-ce que je l'ai déjà fait ça? Non. Ben, c'est bon, je crois qu'il y avait que ça. Hein. Ok. Parfait. Alors. Alors, on se fait pas attaquer là. Ah bah si, on se fait attaquer. C'est fini, oui. C'est moi qui ai pris un coup ou... Voilà. Parce que c'est le seul endroit où on se fait attaquer. Ah, j'ai soif, non, c'est vrai, j'ai oublié de boire. Il va falloir que j'améliore mon nombre de villageois, avoir peut-être plus de constructeurs, avoir de la défense. Ça fait beaucoup de choses, hein. Ouais, le jeu est pas si simple que ça, en fait, hein. Quand on regarde de plus près. Faut que j'aille boire un coup. Je vois pas d'autres. C'est bon, y a que ça? Ah non, encore un. J'ai un peu soif, hein, et tu viens de boire. C'est bizarre là. Ouais, parce que oui, ça perd un petit peu en durabilité, donc c'est à réparer à chaque fois. J'ai pas l'impression que je me refais attaquer. J'ai mon arme et mon bouclier, donc je peux pas avoir la torche en même temps. Je pense pas. Je commence à avoir faim aussi. T. Ah, mais j'avais pas mis toute la nourriture. Pourquoi?
Ah, parce que je crois que c'est... Oui, voilà, c'est ça. C'est... comment dire? Oula, j'ai mangé un truc qui devait pas être bon. Non? Ouais, c'est vrai qu'on peut pas mettre toute la nourriture dans le même truc. Les champignons, c'est un peu séparé. Ah, je suis à nouveau moi-même. Ah, j'ai pas vu ce que j'avais en fond. J'ai pas l'impression que je me fais attaquer encore. Il est 1h35. Il va vraiment falloir aussi, dans les choses importantes, l'éclairage. Ouais, l'éclairage est important parce que là on voit rien. Je suis désolé, hein, mais... Impossible à allumer parce qu'il pleut. Bon, ouais, je vais reboire un coup. Il y a tellement de choses à faire, j'avoue que je sais pas où donner de la tête. Donc là, on a vu que l'entrepôt était terminé. Ah bah, je disais aussi, c'est bizarre que je me fasse pas plus attaquer. Ouais, alors eux, par contre, je les aime pas. Les squelettes, ouais, je les aime pas. Ah, je vais avoir de l'aide. Non? Ah yes. Voilà. Ouh. Trois heures du matin. Allez. Parfait. Ah, ça je veux bien. Rond. Ouais, mais il est endommagé. Bon, c'est pas grave, on va prendre. Hein. J'ai des flèches, récupère des flèches, impeccable. Ça serait bien qu'ils intègrent l'option quand on reste appuyé, ça prend tout ce qu'il y a autour. Je sais, c'est pas très logique. Je vais faire un test aussi, je vais voir si mon constructeur répare les bâtiments. Comme celui-ci qui est abîmé par exemple. Bon, alors, je vais en profiter, hein, on va faire passer la nuit comme on peut. Ici, ça serait donc plus pour la nourriture. Alors, pas l'eau. Aliments crus, c'est-à-dire les fruits. Sur un entrepôt. Eh ben, ah bah oui. Ah oui, c'est vrai. Exact. C'est vrai. Construire. Comme ça. Alors, on va regarder un autre truc. Épingler. Ouais, non. À voir après si on peut spécialiser. Je sais pas. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nourriture? Aliments cuits. Ouais, pour l'instant. Ah, c'était peut-être une cuisinière que je voulais. Ah, je sais pas. Pour l'instant, on va mettre ça. Sur. C'est le chemin central. Ouais, je vais vraiment consacrer ça uniquement à ça. Parfait. Allez, monsieur le constructeur, si tu pouvais venir, ça serait bien. Allez, nouvelle journée qui commence. Ok, ça, on n'a pas subi trop de dégâts. Un ours s'attaque, attention. Oula. Arc, flèche.
Un ours attaque. Ça. Où est-ce qu'il y a un ours? Ah. Ah ouais. Si je pouvais l'attirer... Non, lâche-moi. Non, non, non. Aïe, 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 aïe. Pas beaucoup de dégâts. Hein. Mmh. Où est-ce qu'il va là? Ah ouais, il est tenace, hein. Il a vu le village. Il y va. Bon, j'ai plus de flèches. On a encore un coup. Non, c'est... Ah, je suis passé à 10 dégâts. Ah non, 9. Faut viser la tête. Au mieux. Ah, l'ours quitte le village. Bah, par contre, j'ai perdu des flèches. Ouh, ouh, ouh. Ouh la vache. Là, 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 là. Bon, c'est bon, on a survécu à une attaque d'ours, une mine de sang. Je crois qu'on peut pas faire pire. Bon, si, je pense. Franchement, j'étais pas confiant. Hein. Pour moi, l'ours, ça va être très compliqué de le tuer. Hein. Inventaire. Voyons voir notre inventaire. Au niveau des flèches. Je crois que j'ai plus de flèches en fait. À 8. J'en ai 8. Enfin, j'en reconstruise. Hein. De mon côté. Est-ce que vous pouvez réparer, les gars? Ça serait cool. D'accord. C'est pas compliqué. Je vais les aider quand même parce que je suis gentil. C'est la vie du village, hein. C'est comme ça. En tout cas, on peut dire quand même que les défenses sont tenues. Ah, mince. Mon marteau est cassé. Alors, est-ce que tu as fait des marteaux, toi? Est-ce que tu es rapide à travailler ou est-ce que tu es lente? Ah, regardez, je crois. Yes. Bah quoi? J'ai pas le droit? Ah bon? Ah mais je crois que c'était interdit pour moi. Ah, ils viennent chercher les outils? Non, ils viennent me parler. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Là, tu me disais bonjour. Ok, salut. Allez, hop, c'est parti. Et on construit. Ouais, non, mais le mur a bien résisté quand même, parce que l'ours, il m'a foutu quand même une bonne... je sais pas combien il m'a retiré, 30 ou 45 points de vie. Ouais, non, non, il... Ouais, ouais, ça a bien tenu. Donc je vais continuer à mettre des murs.
Là, est-ce qu'ils sont en train de me transférer la nourriture? Ah, mais c'est pas encore fait. Attends, je vais t'aider. Yes. Bon, on va pouvoir commencer à transférer, les gars. Et ils mangent. Pourquoi j'ai des champignons? Ah, peut-être parce qu'il n'y a plus de place pour les ranger. Hop, voilà, c'est fait. Je les aide, hein, c'est normal. Oh, il y a une corde ici. Il me faut quoi là? Une écorce? Moi j'ai plus de bâton. Ah, mais avec tout ce que je lui demande, c'est peut-être normal. C'est. Pourquoi il y a des graines là? Pourquoi tu me mets les graines ici? Pas compris. Tu vas me dire que t'as gardé en souvenir qu'il y avait les graines ici? J'espère pas. Allez, on continue à construire. Bon, alors, B. Il va falloir qu'on s'intéresse. Il y a ça aussi. Ah, il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Le stand de tir, la caserne, ça fait partie des choses. Ce qui permet aux villageois affectés à ce bâtiment de s'entraîner au combat rapproché. Ils peuvent également aider à patrouiller notre village. Si on leur assigne une tâche avec des marqueurs de patrouille. Ouais. Je vais peut-être quand même. Alors, planche, je sais pas faire. Ça, oui. C'est ce que j'étais en train de faire. Donc. Je pense qu'on va continuer, hein. Voilà. Non plus en mettre de trop parce que de toute façon pas qu'ils puissent arriver à suivre un petit peu tout ce que je lui demande le pépère. J'ai l'entrepôt, j'ai du mal à me situer dans le dans l'environnement. Mais bon, là je lui donne du travail. Voilà. Petit à petit, les murs vont se faire. On a dit que là il me fallait une écorce, c'est ça? Alors, écorce. Puis lui, là, il dort, donc pépère. Ah, quand il y avait la verdure, on voyait bien, là, c'est l'automne, c'est un petit peu plus terne. Donc c'est vrai que. Non, c'est pas une écorce qu'il fallait? C'est quoi? Un bateau? Inventaire. Ah non, j'ai pris du bois de chauffage. Suis-je bête? Oui, de l'écorce, je crois qu'il n'y en a plus. Je vais regarder parce que lui, il en laisse traîner partout. Il y a tout ce qu'il laisse traîner. C'est un sagouin. Hein. Alors, c'est un sagouin, mais bon, il ramasse après pendant la nuit. Hop. Impossible de prendre plus, mais je veux pas prendre, je veux déposer. Impossible de déposer plus. Ok, d'accord. C'est peut-être pour ça. Ouais, il faut que je construise des entrepôts. Hein. Ah!
Allez. Et bon, voilà, ça c'est fait. Ouvrir la réserve. Q. Non, c'est A. C'est vrai que. Il est en QWERTY. Silo aliment cru. Ouais, on peut pas le dédier à quelque chose. Aucun travailleur. Ah bah oui, c'est parce qu'il n'y a aucun travailleur affecté ici, c'est pour ça, bah oui. Je me demandais pourquoi, je me dis, mais c'est bizarre, il n'emmène rien. Mais oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Donc il me faut un. Il m'en faut encore des pierres comme ça, donc je vais aller en chercher. Par contre, les bouts de bois là, je vais les mettre ici. Bah, c'est pas X. X. Voilà. Allez, c'est parti. C'est quoi que je vais avoir là? Ça, c'est la pioche, elle est presque cassée. Oh, peut-être que ça va tenir. Ah, on sait jamais. Hein. Oh oui, c'est c'est génial. On a tout construit. Une houe. Mais pas de pioche. Ah. Problème. Est-ce que j'avais demandé des pioches d'ailleurs? Je sais même plus. Ah, c'est chiant ça. Hop. Est-ce que je t'avais demandé des pioches? Oui, des grandes pioches. 5, 5, 5. Il les construit continuellement une fois qu'il a fait les 5, parce que là je vois qu'il y a toujours marqué 5. J'ai du mal à. Ouais, je sais pas. Tiens, attends, ce que je vais te mettre ici, inventaire. Je vais te mettre ça, je vais te mettre ça, lame de pierre, ça, ça, ça va t'aider. De la résine pour. Non, ça veut pas. Bon. Allez, ça va t'aider ça. Allez, moi, faut que je trouve de quoi invoquer un nouveau villageois qui s'occupera de l'autre entrepôt. Et donc, une autre maison. Ah, attendez, avant d'y aller, je vais regarder quelque chose. Est-ce que je peux upgrader une maison? Ouvrir. T. Les améliorations seront listées ici, donc pour l'instant il n'y en a pas. Ok, bon. Allez, faut qu'on trouve une pierre. Ah, mais il faut qu'on mange aussi. Ouais, bon, on va trouver à manger sur la route. Bon. Sûr qu'on va pas mettre beaucoup de temps à trouver quelque chose. De toute façon, il va falloir que je joue un peu de mon côté, hein, parce que sinon. On va pas y arriver. C'est quoi ça? C'est mes flèches? Bah, qu'est-ce qu'elles font là? C'est l'ours qui a des pops? C'est bizarre ça. Quelle était la probabilité pour que je tombe dessus? Ah, voilà. Ah oui, c'est vrai. J'ai du mal avec les raccourcis. Rester appuyé sur R pour la récolte. C'est pas compliqué hein, en soi, hein. Mais j'y arrive, je m'y fais pas. Oh, une écharpe, oh, petite mémère. Allez. Voilà. Bon, c'est bien, on continue à s'améliorer. Par contre.
contre, par contre, inventaire, j'en ai que 4, mince. Et il fait à nouveau sombre, 21h, ouais, ça c'est... C'est un peu problématique, le côté sombre du lieu. Là, je pense pas pouvoir tenir une torche. Ah, mon outil est presque cassé. Est-ce que ça va tenir suffisamment pour pouvoir avoir une pierre? Ouais. Là. Allez, je repars. Après, les couleurs sont belles. J'aime beaucoup le jeu et graphiquement, il est vraiment très très sympa. Il a son style. Il a son style, c'est sûr. Hop. On va invoquer un villageois. C'est parti. Ouvrir. Activer. Alors on a elle, je prospère dans la nuit calme et supporte mieux le froid que la moyenne. Ça c'est pas mal. Je mange moins, mais ma santé est plus fragile. D'accord. Expert en hydratation, j'ai un sens inné pour savoir quand boire et comment économiser l'eau. Ce qui me permet ainsi de réduire ma consommation quotidienne d'eau. D'accord. Et... Ah, ça pourrait être une bonne en défense, elle. Le problème, c'est que c'est pas ce que je recherche. Elle est pas mal. Elle fera juste du transfert de marchandises. On va prendre celle-là. On retombera. Hein. De toute façon, je pense que ça vient assez cyclique. Hein. Hop, allez. Il faut juste quelqu'un pour ravitailler l'entrepôt là. Et on lui fera une maison. On va peut-être faire un dodo. Et je pense même qu'on va arrêter ici. On en a fait pas mal. Pas l'impression, mais bon, on a quand même subi une attaque pendant une lune de sang. Et un ours quand même assez impressionnant qui est venu nous titiller. Qui a testé notre défense, nos murs. Qui ont quand même bien tenu, je trouve. Alors après, je l'ai quand même dissipé assez facile, mais bon, je trouve que ça a bien tenu. Bref, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager ou même le commenter. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien, bye bye.